Coucou tout le monde, je continue les petites vidéos sur le concours. Là j'ai reçu la participation de Sylvie B. Voilà, je dis Sylvie B parce que je crois que j'ai deux Sylvie. Je suis plus très sûre, mais au cas où je précise. Voilà, donc j'ai juste entaillé, on y va, on va ouvrir. Hop, waouh, regardez ça, si c'est pas beau. Génial, elle est trop belle ta carte. Oh là là, elle est magnifique. Ah, j'adore le fond brillant comme ça. T'as fait avec quoi? Ah ouais, non, mais attendez, ça fait un effet dentelle en fait. Ah oui, c'est ça. Donc là, je sais pas si... avec la lumière, peut-être si. Le fond ocre comme ça, le fond bronze... enfin, non, rose gold plutôt. C'est doré en plus, hein, c'est... ah, j'arrive pas à parler. C'est du rose gold, donc c'est pailleté, c'est nacré quoi. Il y a les tamponnages de fleurs, mais il y a aussi la nacre, l'effet paillette. Et le papier qui était blanc, je pense, en fait, il est légèrement gaufré. Comme si c'était de la dentelle. Alors, je ne sais pas si c'est toi qui l'as gaufré, ou si c'est le papier qui a un effet texturé comme ça. Et je pense que c'est beaucoup trop fin pour que vous arriviez à le voir. Peut-être là où c'est un peu plus blanc. C'est pas dit que vous arriviez à voir. Mais en tout cas, il est légèrement texturé. C'est peut-être une patine que tu as mis en gold, comme ça. Je sais pas trop, tu nous diras en commentaire. Ensuite, elle a posé des demi-perles. Elle a fait des fleurs. Enfin, une fleur en craft. Marron. Les feuilles, elles sont très belles. Et effectivement, les grosses perles comme ça, elles sont plus dures à utiliser. Mais sur les centres de fleurs, c'est top. Ensuite, elle a mis des feuillages de 3 couleurs. Donc, ça reprend un peu toutes les teintes de la carte. Plus vrai que nature. C'est vrai. Ça fait vraiment effet dentelle. Hein. Je pense que tu me diras si c'est ça l'effet que tu souhaitais. Hein, mais c'est super beau. Une demi-perle là. Ah, il devait y en avoir une là. Il y a une trace de colle. Mais elle n'est pas dans l'enveloppe. Non, elle n'est pas là. Elle a perdu la demi-perle. C'est pas grave, je crois que j'en ai de cette teinte. Je la rajouterai. Et voilà, donc très très belle carte. Et elle a mis ça, elle a maté sur, du papier. Voilà, on voit peut-être mieux la texture là, du papier. Ah mais non, c'est pas le même papier. Un petit papier légèrement texturé marron. Elle a mis son tampon à elle, son tampon personnalisé. Sylvie B, création originale. Oups! Ah bah il y avait la TC dedans. Pardon, excuse-moi, elle est tombée. Attends, je lis ta carte. Oui, elle me plaît. Elle me plaît ton ATC. Je la vois là déjà, elle est très belle. Oui, t'as mis ton mondial relais, t'as très bien fait. Merci Sylvie. Hop. Donc l'ATC, je vous la montre. Ça rappelle les vacances. C'est top. Un fond bleu, enfin un maté bleu. Sur avec ensuite là, un fond, elle a très bien imité l'eau et le ciel. Vous voyez, c'est très bien fait. Elle a mis une... ah bah voilà, j'oublie mes mots. C'est pas une hirondelle, c'est une... les oiseaux de la mer. Ça va me revenir sûrement avant la fin de la vidéo, je croise les doigts. Et un canard. Non, une... n'importe quoi, un cygne. Et en fait, elle a mis du... Elle l'a embossé. Donc ça fait un effet glossy sur les contours, là, les blancs que vous voyez. C'est embossé, je pense. Voilà. Là, vous voyez, ça brille un peu. C'est embossé. Donc c'est un tamponnage sur le papier blanc texturé de chez Action, là. Et qu'elle a découpé, embossé les contours. C'est bien parce que du coup, on voit... ça fait net, quoi. Et sur le fond de la mer, quoi. Ciel bleu et la mer avec les vagues. Et là, les petites touches que tu as fait en blanc, ça imite vraiment très bien les vagues. C'est vraiment sympa. Bravo. C'est top. C'est vraiment top. Donc, elle s'appelle... Ah, t'as un tampon pour faire l'arrière des ATC. Ça m'intéresse. Les filles, si vous avez des adresses... Enfin, les endroits où vous avez commandé vos tampons d'arrière ATC, là... Vous voyez, en fait, c'est marqué artiste, c'est déjà tamponné. Ensuite, on n'a plus qu'à remplir. Donc, le titre, c'est Signe. Elle date du 14 octobre. C'est la 1 sur 1. Et elle m'a mis son email et voilà, son contact.
Parfait. Donc sur un papier blanc, qu'elle a, du coup, ça fait le matage avec le bleu. Voilà. Sylvie, merci pour ta participation. Je te souhaite bonne chance. Je vais te mettre tout de suite dans mon petit classeur et la carte, elle va être disposée juste devant moi là, sur mon tableau. Allez, j'en étais à la deuxième page. Hop. Un petit cheveu. Hop. Et on y va. Je te positionne juste là. Ah oui, et le signe, elle l'a mis sur des mousses 3D. Donc c'est top. Ça fait vraiment un effet comme s'il était sur l'eau. Hein. Ça le met en valeur, je trouve. Hop. T'as tout arraché quand même. Parfait. Eh bien, merci Sylvie. Profitez bien de votre journée si vous voyez ça, cette vidéo dans la journée ou de votre soirée. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous embrasse. Et puis à très vite pour la suite. Bye bye.